Pas la tête du tout. Mais c'est bon, ils sont écrasés sous ta casquette. Ah oui, ils sont bien écrasés. Celui chez TC qui marche bien, mais tu peux plus l'avoir en musique en fait. Là, on prépare du coup aujourd'hui le clip de Jackal, qui est un des morceaux du nouvel album qui va sortir le 12 novembre, qui s'appelle The Silent Path. Les thèmes abordés, en fait, ça va être toutes les personnes qui choisissent de vivre dans un cheminement de pensée qui va être en dehors de la société. Toutes les personnes qui vont avoir des prises de conscience et qui vont juste choisir de ne pas forcément suivre tout ce qui se passe. Le morceau de Jackal, c'est à mon très très humble niveau une critique du système en place, en essayant de ne pas être trop naïf. C'est des sujets que j'aime pas trop traiter habituellement parce qu'on peut vite tomber dans le cliché. Là, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit relativement générique mais qui reflète juste le ras-le-bol général quand on voit le fonctionnement actuel de nos sociétés modernes. On a composé cet album sur l'année 2019-2020. On est rentré en studio donc en octobre dernier. Pour le futur, on a notre album qui sort en novembre de 2021 et du coup après l'espoir c'est de pouvoir tourner le maximum pendant 2-3 ans, de pouvoir essayer de sortir de France, d'aller en Europe, d'aller peut-être au Japon, peut-être en Amérique. Essayer de tourner au maximum quoi. Et on a déjà commencé à écrire la suite aussi, à écrire le prochain album. Cet album, il a 10 morceaux et on a enregistré 2 morceaux bonus qui sortiront peut-être plus tard pendant la durée de la promo de celui-ci.
tu pourras le voir à la sortie de l'album, on a pas mal... Sans renier ce qu'on avait fait sur les deux albums précédents, on a voulu, on veut toujours évoluer, essayer de proposer un truc toujours plus personnel. Et du coup, je pense qu'on a encore franchi quelque chose dans la composition. Il y a toujours les racines de ce qu'on a fait juste avant sur les deux premiers albums, mais là, on propose encore quelque chose d'autre. On a évolué en composition, musicalement, on a tous évolué. Il y a eu le confinement, tous ces trucs-là, l'arrêt, un peu de tout ça qui nous a malgré tout, même si ça nous a beaucoup handicapés, perdre des dates et tout ça, on a quand même pu se concentrer justement sur la composition de cet album. Et ça se ressent aussi. Donc tu retrouveras un peu ce qu'on a pu faire jusque-là, mais ça ne sera pas le même cru de Lazy Clyde, ça sera autre chose. Ça sera quelque chose de différent, même si j'espère vraiment que tu reconnaîtras la patte de Lazy Clyde dessus, quoi. En fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai toujours un petit peu de mal avec les clips trop scénarisés parce qu'on n'est pas acteur professionnel. Et j'essaye de, quand j'amène une idée de clip et qu'on en discute avec les gars, on cherche toujours plus à avoir quelque chose qui va être esthétique, quelque chose qui va montrer une intention, qui va montrer une énergie, plutôt que de vraiment essayer de tomber sur quelque chose qui va être scénarisé et où on va potentiellement se péter la gueule. Donc là, on a eu la méga chance d'avoir tout plein d'amis, tout plein de personnes qui connaissent le groupe depuis longtemps, qui connaissent certains musiciens depuis longtemps, qui nous soutiennent, qui sont venus nous filer un coup de main. Et du coup, ça, c'est vraiment une grosse chance à ce niveau-là. Ça nous permet de faire un clip avec une putain d'énergie parce que ben, les gars sont motivés et puis je pense que ça va se ressentir dans les images. On est super content de rebosser avec Crazy Shot qui nous avait déjà fait du super boulot à l'époque sur le premier clip. Et puis ben, on remercie énormément Damien qui est un passionné de musique et qui voue maintenant sa maison à faire des résidences, à faire des clips, à rendre service à tous les copains Zikos. Donc c'est vraiment une grosse chance qu'on a eu aujourd'hui.
C'est excellent, c'est un super endroit, Dams, c'est super sympa de sa part de nous prêter ça. D'avoir tout le monde qui est venu, qui joue le jeu en plus dans des périodes comme ça, ça nous rappelle les concerts, c'est vraiment du bien. Et on a hâte de voir le résultat. On compose en fait pas mal chacun de notre côté, donc chacun sur les logiciels type tu vois, Guitar Pro et tout. Et ensuite on voit ce que ça donne à peu près en répète. Et donc on fait plusieurs répètes, on enlève, on remet, on change des riffs au fur et à mesure que ça nous plaît ou que ça nous plaît pas. Et puis si tu veux, moi ma méthode de composition pour la musique en général, c'est plus de servir en fait le riff de gratte. Plutôt qu'essayer de faire du spectacle, c'est vraiment appuyer le truc pour que ce soit, enfin pour qu'il y ait une bonne ligne, tu vois, de guitare, batterie, que tout l'instrument soit vraiment, que toute la partie instrumentale fasse qu'un en fait, qu'il n'y ait pas un instrument qui soit plus haut que l'autre, surtout la batterie, pour que ce soit lourd, massif et puis que ça rentre bien dedans quoi. Donc en fait, moi je suis arrivé en 2018, donc juste après, enfin juste pour la sortie de leur deuxième album avec l'ancien batteur. Qui était sur un style beaucoup plus death, en fait, très technique, très death technique, avec des blasts très rapides, des tapis de double très très rapides aussi. Vraiment une couleur death trash très sombre quoi. Et là pour ce nouvel album, donc c'est mes parties à moi cette fois, et ça a été composé vraiment, on est plus dans une ambiance trash groove. Bon, on a quand même 2-3 morceaux bien death parce que c'est bien. Il faut quand même que ça casse un peu des bouches, mais voilà, il est moins technique qu'avant si tu veux, mais beaucoup plus lourd et puis peut-être plus de groove aussi. Des rythmes un peu moins compliqués mais qui envoient un peu plus quoi. Le morceau que tu peux entendre ce soir, et du coup c'est le résultat de travail, de réarrangement et tout ça. Donc ça représente plutôt pas mal, je pense, que ce qu'est Death Decline en cette année, en 2021 quoi.
génial, c'est génial, j'adore les interviews. Tout à l'heure, on a tourné dans la grange, à l'intérieur, et là, c'était pas mal. Il y avait tous les figurants là qui étaient complètement fous. J'étais en train de filmer, on aurait dit des zombies qui m'attaquaient. Il y avait un gros grillage, ils ont défoncé le grillage, on a dû utiliser un deuxième grillage. Ok, ça tourne. Et donc ça, c'était assez marrant à filmer. Je sais pas, ils étaient une trentaine d'enragés complètement fous en train d'attaquer les musiciens. On va faire un trapping sur vous, calme. Wall of Death avec la grille. Calme. Calme. Vous êtes censé être calme, tête un peu baissée, vous êtes pas encore dedans. Les 7 différences entre l'ancienne vidéo et celle-là. Bah déjà, l'ancienne, la musique, elle a fini dans South Park. Donc, on s'était bien amusé. On avait fait 2 lieux différents. On avait déjà fait la disposition en cercle, qu'on va refaire là. On l'avait fait au dernier clip. On va la refaire cette fois, mais avec cette fois, on va tourner de nuit avec les flammes. Donc là, il y a tout un dispositif, je ne sais pas si vous voyez autour de nous. On attend que la nuit tombe et on va tout enflammer. Le groupe va arriver derrière le grillage. Et voilà, on va filmer avec en lumière naturelle. On va voir ce que ça donne. Ils vont tourner autour du feu, se déplacer autour du feu. Et nous, on va filmer à deux avec gros plan et plan large. Sinon, quoi dire d'autre? Non, bah voilà, on attend que la nuit tombe, on mange, on boit un verre, je sais pas. Vas-y, mon vieux.
J'ai du percule dans les dents. Attends, faut que je me chauffe.